Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tout nouveau vlogmas. Il est 10h18 exactement. Je viens de me lever il y a pas très longtemps. Et puis là ce que je vais faire c'est que je vais un peu ouvrir les cartons que je vous ai pas montré, les colis, je vais ranger mon linge. Je vais faire un petit peu ces choses là, comme ça cet après-midi je peux me mettre à travailler dans un environnement propre et rangé. Déjà on va ouvrir Monsieur Calendrier de l'Avent. Alors, nous sommes le 5, aujourd'hui le 5, je le vois, il est là. Et donc nous avons cette petite eau de parfum qui s'appelle Liberty Dream. Pas mal, j'aime bien les noms, à chaque fois ça fait rêver. Et au niveau de l'odeur du coup, qu'est-ce que ça dit? Ça sent bon. Ok, j'aime bien. Et bah franchement pour l'instant, les 5 premiers parfums que j'ai eu, j'adore les odeurs des 5. Donc ça c'est chouette parce que c'est pas forcément... Enfin c'est toujours un petit peu la loterie, hein, les parfums, on a vraiment chacun nos propres goûts. Et bah là, j'avoue que je suis ravie. Pendant ma crémaillère, j'ai eu un petit cadeau comme ça, qui est juste trop beau. Donc, un petit sapin avec des lumières. Et voilà à quoi il ressemble. Je viens de le... Les branches, en fait, elles se tordent un petit peu dans tous les sens. Et du coup, bah, voilà comment je fais. Je sais pas du tout où je vais le mettre. Ça m'a l'air assez fragile. J'espère que les chats vont pas trop vouloir jouer avec. J'ai un gros câble. Alors ça, j'ai peur qu'il me le coupe. Mais bon, on va essayer de l'installer quelque part et on va voir. Je l'ai posé là, j'ai monté le calendrier de l'avant sur les petits tiroirs et je l'ai mis là. C'est encore là qu'il craint le moins par rapport au chat, mais en tout cas c'est super joli, ça fait une super jolie touche. Bon, le problème c'est que j'ai fait aucune décoration de Noël chez moi, donc forcément ça fait un peu bizarre, mais en tout cas c'est super joli et ça me donne envie malgré tout petit à petit de trouver des petites décorations et de les mettre, donc voilà. Je vous retrouve avec tout ce qui me reste à trier avant d'attaquer les palettes. Donc il y a tout ce qu'il y a pour les yeux, il y a les poudres, les fonds de teint, les anti-cernes, les trucs comme ça, les trucs pour les sourcils, les faux cils, machin. Donc du coup, je vais trier ça avec vous maintenant. Et je pense que ça va aller assez vite finalement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à trier que ça. Et après, on pourra attaquer les palettes. Je pense que je vais déjà en faire un petit bout aujourd'hui des palettes avec vous. Parce que ça, j'ai hâte de les trier, de revoir un petit peu ce que j'ai et vraiment de faire du tri. Donc déjà, on attaque par ça. Alors j'ai sorti un peu tous les blocs. Là, on a tout ce qui est paillettes, pigments et autres. Donc là-dessus, je vais tout garder parce que de toute façon, ce sont des poudres. Donc il va y avoir du Makeup Geek, il va y avoir du Anastasia, du NYX, pas mal de choses comme ça. J'avoue que je m'en suis jamais servie. J'ai pas du tout l'automatisme encore, mais il faut vraiment que je m'y mette. Mais voilà, ça c'est des poudres, c'est des paillettes. Donc il n'y a aucun souci à les garder des années, donc ça c'est bon. Dans celui-là, je vais avoir tout ce que j'avais acheté comme liner en pot et en tube, si je peux dire ça comme ça, de Stargazer. Donc il y a toutes les couleurs, on va dire, un peu fluo. Tout est encore sous blister. Donc ça pareil, je les garde. Là, il y a juste... Ah non, je voulais un mascara qui n'a rien à faire là. C'est celui-là. Donc du coup, tout ça, je garde. L'intérêt c'est quand même de m'en servir, ça fait longtemps que je les ai, j'avais même reçu la commande à double, je me souviens, j'avais fait gagner la deuxième commande du coup dans un concours, mais voilà, ça pour l'instant je les garde de toute façon, voilà. Alors ça c'est un mascara, j'en ai deux comme ça, un vert et un violet, je m'en sers absolument pas, mais ça voilà, tout ça c'est encore des produits que je vais pas m'amuser à vendre ou à donner, c'est des choses que j'ai tellement depuis des années que au cas où c'est poubelle directe, et ça je pense que ça va être le cas. Là je vais avoir un petit mascara de chez Tarte, là j'ai le fixateur à sourcils de Benefit, là je vais avoir un liner de It Cosmetics, c'est que des choses que j'utilise pas forcément. Là je vais avoir un mascara de Dali, alors celui-là il doit être de Mathusalem, donc non. Ça je vais peut-être garder, le mascara 2000 que je l'aime pas, donc je l'enlève. Là j'ai un petit mascara Too Faced, je l'aime pas, mais bon, on sait qu'il est réputé, donc allez, je garde. Ça j'ai les deux paint pots, c'est pas des paint pots, j'ai les deux produits à sourcils de chez Anastasia de l'époque où je me faisais mes sourcils, je crois qu'ils sont complètement secs. Ouais, quasi, je les avais bien utilisés, enfin celui-là en tout cas, c'était la couleur que j'utilisais, celui-là je crois que je l'ai à peine touché. Ah si, quand même un petit peu, mais ceux-là je pense que ouais, ils sont plus ils ont plus du tout la texture qu'ils avaient avant, donc ça c'est poubelle. Là il y a un mascara de chez Dior, ça doit dater de je ne sais quand, je les garde, au pire je les essaie moi et puis si ça va pas je les balance, mais je vais pas les jeter sans les avoir réessayés quand même. Là encore des mascaras, ça c'est un liner, j'avais eu un partenariat avec Forever Hills, c'était des fossiles magnétiques.
Ça, je le garde parce que j'ai bien envie d'essayer quand même. Puis là, après, je vais avoir des liners, des crayons et tout. Je vais les garder parce que j'en sais un peu trop rien. Je vais me pousser à les réessayer par contre. Et puis comme ça, bah, le tri se fera naturellement. Du coup, là, on a les fossiles. J'en ai de chez Huda, dont je me suis jamais servie. Qui sont comme ça. Mais voilà, je vais les garder. C'est des choses qui se périment pas, donc je vais pas... Là, il y a des fossiles, tiens, il y en a un qui s'est barré. Les fossiles magnétiques, bah, c'est ceux que j'avais dû essayer. On m'avait envoyé les trois paires qu'ils proposaient. Ils sont assez jolis, ils sont pas trop fournis comme le Huda. Ils peuvent potentiellement, j'allais dire, faire naturel. Non, ça reste des fossiles, mais voilà. Ça, je les garde. Là, j'ai un... Mais c'est un fond de teint. Ah oui, un fond de teint poudre de chez Colourpop que j'avais pris. Parce que j'aime bien les fonds de teint poudre, moi. Mais je crois qu'il était un peu trop foncé. Mais je le garde quand même pour l'été parce que ça peut être pratique, donc petite toupette. Moi j'aime bien les fonds de teint poudre, celui que j'adore, que j'ai encore, c'est le Too Faced. Moi c'est la teinte nude que je mets et je pense qu'il faudrait que je me rachète, celui-là je l'ai vraiment ruiné. Mais j'aimerais bien me le racheter parce que l'été j'avais beaucoup de mal à mettre quelque chose sur ma peau, c'était le seul truc que je supportais. Bon bah du coup vu que je suis partie dans les fonds de teint. Hop, niveau fond de teint ça va vite, il y a tout qui est bazardé quasiment. Là j'ai un anti-cerne de chez Colourpop que j'avais pris l'année dernière pour essayer. Je l'aime pas, mais je le garde. Voilà, c'est les produits crème, je m'amuse pas, comme je vous disais. Ça c'est le fond de teint qui ne se fait plus et que j'aime plus que tout au monde. Le nude, le Peach Perfect en teinte nude du coup de Too Faced. Et je le garde parce que je me dis, même si ça fait longtemps que je l'ai finalement, comme c'est une pompe comme ça qui prend pas du tout l'air, peut-être que je pourrais encore m'en servir. Faudra que je fasse un test, j'y crois très peu, mais j'adore ce fond de teint. Si jamais vous en connaissez un qui a un peu les mêmes propriétés que celui-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'en cherche un et je sais plus aujourd'hui vers quoi me tourner, mais vraiment dans les mêmes propriétés que ça. Vous pouvez peut-être avoir votre fond de teint chouchou, mais si celui-là vous savez que vous l'aimez pas, bah, c'est que ça me conviendra pas. Voilà. Ça, après là, j'ai un autre fond de teint que j'ai adoré, c'est le Double Wear d'Estée Lauder. Et ça, c'était les deux teintes que je mettais, que je mélangeais un peu. Celle-là était trop foncée, celle-là était trop claire. Et du coup, en fait, les fonds de teint, je crois que les deux, je les avais finis. Ou alors, si je les ai pas finis, il reste pas grand-chose dedans. Je les gardais pour avoir les teintes. Et c'est encore ce que je vais faire maintenant, parce que je sais pas. C'est comme celui-là de chez Clinique, il est génial. C'est le Even Better Refresh, fond de teint hydratant réparateur. Celui-là, je crois que je l'avais reçu gratuitement au moment d'Octoly, et il était un peu trop foncé, mais celui-là faudrait que je le retrouve s'il se fait encore dans une teinte un peu plus claire, comme le Estée Lauder. Ça c'est vraiment des fonds de teint que j'adore. Là j'avais essayé les Fit Me de Maybelline, j'avais pris deux teintes, je les ai pas aimées, beaucoup l'adorent, moi c'est non, enfin ouais, moi j'ai jamais préféré, et donc du coup bah il n'y a rien à faire, donc ça dégage. Là j'en avais acheté un que j'ai jamais utilisé, l'infaillible de L'Oréal qu'on m'avait vachement conseillé, mais le problème c'est que je m'en suis tellement jamais servi qu'il se sépare en fait à l'intérieur, donc je pense que lui ça... Je l'ai jamais ouvert hein, donc il pourrait potentiellement être encore bon, mais j'ai pas envie de prendre de risques, donc il s'en va. Là j'ai un petit machin, un cache-cerne éclaircissant de BK, je sais même plus où j'avais eu ce truc là, c'est un tout petit pot. Là un peu une petite odeur mais pas trop, mais bon voilà, je sais que ça fait tellement longtemps que je l'ai que voilà. Et on finit avec le Shape Tape de chez Tarte que lui j'ai depuis des années, donc il doit, bon, bah, je crois qu'il est même sec. Au niveau de l'odeur il sent encore bon hein. J'ai finalement, je l'ai pas tant aimé que ça. Moi j'ai un anti-cerne préféré, c'est le Maybelline, c'est un Maybelline je crois, anti-âge. J'ai des gens qui passent devant ma terrasse, tout va bien, avec des plots de machin. Bonjour, c'est bizarre. Bref, du coup je vais le garder lui aussi pour avoir la teinte. Mais voilà, en fait en fond de teint, tout cela je les mets plus. Enfin je peux plus les mettre surtout, ou alors ils sont vides. Donc en fait en fond de teint que je peux encore mettre, ça va être les poudres, l'anti-cerne de Colourpop. Et puis bah potentiellement celui-là, mais voilà. Vous voyez, ça en produit teint, j'en ai jamais beaucoup. Parce que je sais à quel point ça tourne vite et puis à quel point il s'oxyde vite sur la peau aussi. Donc ça sert à rien d'en avoir 50 000. Donc voilà, mais j'aimerais bien m'en racheter parce que ça fait des années que je mets plus tant de teint, mais j'aime avoir ce qu'il faut. Et si je suis en train de me dire quelque part, ah non c'est ailleurs, j'avais acheté les bébés crèmes ou CC crèmes herborian qui sont pas mal,
Et pour l'instant, je pense que je mettrai ça aussi. Là, on a le bronzer de Marc Jacobs que je mets depuis longtemps. On a l'impression que je l'ai à peine touché alors qu'on a beau s'en servir et s'en resservir, ça ne diminue jamais. Donc celui-là, bah, c'est celui que je mets. Je mets peu de bronzer, mais quand j'en mets, c'est toujours celui-là. Donc c'est pour ça que je garde pas énormément de bronzer parce que ça ne sert à rien. Et je suis en train de me dire que y a plein de produits que j'ai pas fait avec vous. Et je vous ai dit que j'avais sorti tout ce qui me restait comme produit, mais c'est pas vrai, j'en ai forcément ailleurs. Hein, parce qu'il y a plein de bronzers que je vous ai pas montré. Bah, tous les bronzers en fait même. Et puis bah même au niveau des highlighters en fait. Tous mes highlighters chouchou là, je vous ai rien montré. Bon, je vais finir avec ça et je vais partir un peu en recherche. Donc au niveau des poudres libres, j'ai la Peach de Too Faced. J'ai celle-là, la Born This Way. Je les garde celle-là. Moi, ma poudre préférée de tous les temps, de toute façon c'est la Laura Mercier. Donc, mais celle-là, j'aimerais l'oublier un peu pour me pencher un peu sur les autres. J'ai la You Are Cosmetic, apparemment la marque se fait plus, mais la poudre, elle est géniale. Là, j'ai une petite de chez Hourglass que j'ai jamais essayée encore, donc pareil, il faudrait que je l'essaie. Et ça, c'était Marion Caméléon qui m'avait fait acheter la RCMA, qui apparemment est très bien, que j'ai jamais testée non plus. Les poudres, je sais pas, moi, ça dure une éternité chez moi. Hein. La Laura Mercier, ça fait des années que je l'ai, et c'est celle que j'utilisais tout le temps, et j'ai toujours pas fini. Et là, je vais avoir une poudre de chez Too Faced, je la trouve trop jolie. Là j'ai des poudres Fit Me de Maybelline que je garde. Là j'ai une petite de Too Faced qui toute mimi. Là on en a une de chez NYX, la AUA, là une mini Peach Too Faced, là une d'AUA et une petite de Kat Von D. Donc voilà, ça, toutes ces poudres, je les garde, c'est de la poudre, hein, donc voilà. Même logique que le reste, c'est de la poudre, c'est toujours utile, on garde. Après ça, c'est un truc que j'ai depuis longtemps, c'est là où on enlève les pigments des pinceaux, faudrait que j'arrive à le nettoyer, ce truc-là. Mais c'était bien pratique pour éviter de toujours utiliser un nouveau pinceau, de le mettre là-dedans. Et là, j'ai plein de petites choses, là, j'ai un miroir nickel mini, là, j'ai une petite pince, là, pareil, un truc pour enlever les pigments, là, ma base Kiko, la matte que j'aime plus que tout. Là, c'est la glitter de chez Anastasia pour coller les glitters, ça, c'est le paint pot de chez MAC, là, il y a des liners, je sais pas ce que ça fout là, ça, c'est toutes les petites bases, oh, bah, Stargazer, Glitter and Pearl. Celui-là, je m'en suis jamais servi. Le truc est vide. Visiblement, le produit s'est évaporé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je le garde quand même pour garder la référence. Mais voilà. Donc, tout ça, je garde ces petites bases. Hop. Et du coup, il faut que je parte à la recherche des autres produits. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est bon, je les ai trouvés. Ils étaient cachés derrière une pile d'habits. En fait, c'est pour ça que je les ai pas vus. Du coup, je commence juste là. J'ai un petit pot avec des baumes pour les lèvres, un gommage. Ça va être de chez Too Faced, la collection Peach. Ça, je garde parce que j'aimais bien. À vérifier si c'est toujours bon, mais voilà. Et là, on a les highlighters. Et là, les bronzers. Je vais commencer par les bronzers. Donc ça, c'est tout ce qui est hors Colourpop. Hein. Mais ça, j'avais déjà fait un gros tri dans tout ça. Donc à mon avis, je vais me séparer de rien. Là, j'en ai un Tarte. Qui est comme ça. Qui est tout petit. Là j'ai le Too Faced qui se présente comme ça. Ça c'est un doublon mais celui-là je l'aime bien. Le Oula forcément que j'ai saigné jusqu'à la moelle et qui est toujours vivant, je n'arrive pas à arriver au bout. Et après c'est des Too Faced, on a celui-là, les packagings ils sont tellement magnifiques. Le Chocolate Matte, celui-là je ne l'ai pas tant utilisé que ça encore. Le Sweetie Pie, celui-là on dirait pas mais je l'ai utilisé. Et celui-là, là. Celui-là, j'ai eu du mal à l'attaquer parce qu'il y avait le petit bonhomme qui était trop mignon. Mais je m'en suis servie. Mais vous voyez à quel point on a l'impression que je ne me sers pas des produits. Et j'ai celui-là, là, le Urban Decay, qui est pas mal, j'aime bien, il est un peu clair. Donc voilà, au niveau des bronzers, j'en ai pas 50 parce que déjà ça, c'est trop, vu que je me sers toujours du Marc Jacobs. Et ensuite, au niveau des highlighters, ça c'est mes petits bébés. Moi, de toute façon, c'est simple, en maquillage, les deux choses dont je suis vraiment gaga, c'est les palettes et les highlighters. C'est vraiment mes deux chouchous. Après, le reste, je peux en avoir beaucoup moins, je m'en fous complètement. Mais alors ça, donc on commence là, c'est le BK avec sa ananas, un de mes préférés de toujours. Et celui-là, il est vraiment magnifique. Les BK, j'en ai pas mal, mais parce que je trouve que c'est une des meilleures marques d'highlighter. Tout petit. Ils sont vraiment beaucoup trop beaux. Allez, on va faire tous les BK. Tac, un rose comme ça.
La marque n'existe plus, donc c'est pour ça que je les garde vraiment précieusement, parce que bah, je sais que le jour où il n'y en a plus, bah, il n'y en a plus. Celui-là, il est un peu foncé. Pour l'été, ça peut être pas mal. Tu les sortir dehors, mon chat, hein? Oh. Il se frotte contre la vitre. Bah ouais. Bah oui, mais on va attendre que je rentre de Noël. Dès qu'il y a du soleil, en fait, il a envie de sortir, parce que c'est un chat qui adore se dorer la pilule au soleil. Là, un autre. Là, j'en ai encore de chez Becca, mais qui sont dans ma salle de bain. Donc, ils sont pas là. La Becca, j'ai fait le tour. Ah non, il y en a encore un là. Quand je vous dis que c'est jamais fini. Hop, voilà. Ça, c'est vraiment petit bébé. Les Two-Faced, comme ça. J'ai les trois. Tac. C'est des œuvres d'art, ces highlighters. Celui-là, c'est celui que je mets le plus. Tac, on voit, il a plus de dessin sur le dessus. Ensuite, là, j'ai les météorites de chez Guerlain. Ça fait des années que j'ai ça. Ah, je m'en suis jamais trop servie. Mais alors, l'odeur de ça, c'est un bonheur au niveau de l'odeur. Et voilà, c'est que des petites billes comme ça. Il faut vraiment que je m'en serve. C'est une œuvre d'art, ce produit, mais il faut s'en servir. Ça, après, le Amrezy d'Anastasia. Celui-là, qu'est-ce que j'avais galéré à le trouver. Il est vraiment magnifique, cet highlighter. J'avais acheté le deuxième qui a beaucoup moins plu, de manière générale, mais moi, je l'ai vachement aimé. Hop, ensuite, j'ai le Marilou. Celui-là, je sais qu'il avait eu beaucoup de succès quand il était sorti. Alors aujourd'hui, forcément, il y a plein de choses de mieux qui existent. Mais j'aime bien l'idée de l'avoir. Le Fenty, le Diamond Bomb. Celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Énorme. Un petit Kiko. Ouais, alors ça, c'est plus un blush. Qu'est-ce que ça fout là. Ouais, c'est un blush. Je sais pas ce qu'il fait là. Je le garde, mais je sais pas ce qu'il fait là. Hop, le Sephora, ça, c'est le premier highlighter que je m'étais acheté au tout début de ma chaîne. Et c'était le premier highlighter qui avait vraiment un effet highlighter, parce qu'à ce moment-là, c'était difficile de trouver des bons produits. Donc celui-là, bah, même simplement pour la nostalgie, je pourrais jamais m'en séparer. Celui-là, c'est un Nocibé, c'est une collection de Noël. Il y en avait trois qui étaient sortis, j'avais acheté les trois, c'est le seul que j'ai gardé. Et qui est très bien, donc je garde. Là, on a des petits IOA. Bon, je les ouvre pas vu qu'on les voit à travers. Voilà, un petit lot comme ça. À 1$, l'highlighter, on s'embête pas. Là, j'en ai un petit de chez Ciaté. Hop, qui est comme ça. Je trouve tout mignon. Là, un Kiko. Qui fait plus penser à un blush. Celui-là aussi, ouais, c'est un blush. Qu'est-ce que ça fout là. On ne sait pas. Il va falloir que je les range autrement. Le Super Glow Natacha de Nona, c'est celui-là qui est cassé. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Je m'en suis jamais occupée. Mais je le garde, bien sûr. Là, un autre de chez Natacha Denona, le Diamond and Glow. Avec un highlighter et un petit blush. Hop, celui-là, un Kiko. Ouais, qui est super joli. Le Glow Gold de Natacha Denona. Alors, ceux-là, ils sont énormes, mais ils sont super beaux. Et la collection Clover de Too Faced, celui-là, je l'avais acheté sur le site de Too Faced, j'avais galéré, j'avais fait une commande groupée USA et tout pour l'avoir. Et du coup, voilà. Donc là-dessus, finalement, je me sépare de rien dans tout ce que je vous ai montré. Il y a juste 2-3 bricoles que j'ai jetées. Mais ça, je sais parce que c'est des produits où j'avais déjà fait un énorme tri et tout ce qui est là. Non, il n'y a que ce truc-là, de Physician Formula, que j'avais acheté sur Vinted. J'avais bien aimé la présentation, le tout ça, c'est bien fait. Et après, c'est des petits cœurs. Donc ça, je sais pas trop. Je vais le garder. On va dire que j'ai la place de le garder, je vais le garder. Mais voilà, rien de fou. Si je devais me séparer de quelque chose, ce serait de ça. Mais donc, voilà. Donc ouais, tout ça, le prix, il avait déjà été fait au maximum. Donc, ça c'est fait. Maintenant, faut ranger. Bon, bah je me suis motivée. J'ai sorti toutes mes palettes. Je ne sais plus où donner de la tête, là. À vue de nez... Je vais les compter, tiens, on va voir combien j'en ai avant de m'en séparer. Si j'arrive à les compter, parce qu'il y en a beaucoup. Alors en Colourpop, j'en aurai 103 si j'ai pas oublié de compter de billes. Et pour les autres marques, alors il y a aussi des palettes teint à l'intérieur. J'en compte 44. C'est marrant, j'avais l'impression d'en avoir plus que ça. Non mais peut-être pas, mais en fait j'ai tellement de Colourpop. Quand je vous dis que je dois faire un tri dans les Colourpop, c'est pas pour rigoler. Donc j'ai déjà vous montré les autres marques, parce que là je pense que pareil, il va pas y avoir grand chose qui va partir. Et comme ça après, on trie.
Donc là déjà on va commencer par ça, c'est un rangement à fard mono que j'avais acheté sur Amazon. Et en fait il y a plusieurs étages, donc c'est que des fards Colourpop hein, pour la plupart, là c'est que des pailletés, là c'est que des irisés. J'ai acheté aussi des grosses palettes de fards mono que des gens avaient composé eux-mêmes sur Vinted et puis après j'enlevais tous les fards et je les rangeais. Et puis là des mattes. Donc il y a ça et il y a une autre palette qui est où ? Qui est là. Ou ça, c'est des fards Devina Cosmétiques pour la plupart. Putain, il y en a un qui s'est... Oh, j'en ai un qui s'est explosé à l'intérieur. Regardez ça. Mais voilà, j'ai pas mal de fards Devina à l'intérieur. Tous ceux à droite. À gauche, non. C'était des fards Devina aussi, mais qui me plaisaient moins. Heureusement, celui qui s'est pété, c'est un qui me plaisait moins. Celle-là, je vais la mettre de côté. Il va falloir que je m'en occupe. Alors ensuite, ouais, en Colourpop, en fait, j'en ai plein de petites qui sont mises dans les autres. Alors, je vais avoir celle-là de Too Faced. C'est là, c'est là, c'est là. Too Femme, Too Fame, toujours, on ne sait pas. Qui est comme ça. Je m'en suis jamais trop servie de celle-là. Mais voilà. Maintenant, comme je sais que je vais me remaquiller, je vais m'en servir et je verrai si en m'en servant, je veux m'en séparer ou pas. J'ai une petite palette, je les prends vraiment comme elles viennent, hein. Les marques vont s'en mêler. Là c'est une petite palette d'highlighter Too Faced que j'adore. Là on a la palette Dinner de Martin qui se présente comme ça, que j'ai acheté l'année dernière sur Vinted, je m'en suis pas du tout encore servie. Donc on va s'en servir. Là c'est ma mini palette de chez Tarte que je prends toujours quand je voyage parce qu'en fait elle a un blush, deux fards à paupières qu'on peut servir potentiellement en bronzer et tout. C'était vraiment la palette de la flemme dont je me suis servie pendant des années mais que je garde parce que ça me fait toujours sourire de l'avoir. Là j'ai une palette d'highlighter d'Anastasia avec Nicole Guerriero. Les highlighters Anastasia sont géniaux donc forcément je les garde. Là j'ai une palette de teint Benefit, j'en avais plusieurs et puis j'en ai gardé une donc voilà. Faut que je pense à y aller vers ces palettes de teint, en fait j'y pense pas beaucoup. Tu vois, bah, c'est le teint là qui arrive, je vais commencer par là. La Natasha Denona, palette comme ça, que j'y garde. Comme je vous dis, Natasha Denona, il n'y a que le teint qui fonctionne sur moi. La petite palette d'highlighter Kat Von D, forcément. Voilà, et là j'ai des fards mono que j'avais acheté sur Glam Shop. Et en fait que j'ai jamais enlevé de l'emballage, j'avais tout foutu dans cette trousse et j'ai commandé une grosse palette pour mettre les fards mono parce que le système que je vous ai montré au début ça me convient pas, donc je les ouvrirai à ce moment là, je les rangerai là dedans et je les essaierai surtout. Ensuite là une palette Anastasia, la Prisme qu'on ne trouve plus et qui moi est encore jolie. Toutes les palettes Anastasia hein, on s'entend, je les garde, tiens bah tant que je les vois. Là on a la, c'est la Jackie Aina celle là Oui, c'est ça. Qui est comme ceci, vous les connaissez toutes. Hein. De toute façon, celles-là, elles sont magnifiques. La Norvina, une de mes plus que préférées. Je vous l'avais dit. J'ai la... celle dont je me suis servie ces jours-ci, qui est dans la salle de bain, donc je ne vous montrerai pas. La Carly Bible, qui est magnifique aussi, celle-là. Elles sont où les autres? Elles sont là. La Alyssa Edouard. Elle est là. Ça, si j'ai encore la collectionnite aiguë pour des palettes, c'est celle-ci d'Anastasia. Mais les rectangulaires, hein, pas les autres. Pas les petites carrées, ni les grosses que j'avais fini par revendre. Parce que je m'en sers pas. C'est, mais celle-ci, par contre, je trouve que c'est le format que je trouve génial. La Amrizi. Hop. La Riviera, que j'adore aussi. Je la trouve magnifique. La Soft Glam. Palette de neutre par excellence. Hop, je commence à en avoir une sacrée collection d'Anastasia. J'en ai deux qui arrivent en plus des dernières qui sont sorties vu que j'étais complètement à la ramasse. La Subculture. Hop là. Et en Anastasia, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, visiblement, ouais. Celle-ci, la Marion Caméléon et Sephora. Que j'ai acheté en fait par l'engouement. Mais que je suis pas sûre d'aimer forcément plus que ça. Mais je la garde parce que je m'en suis jamais servie. Je veux la tester. Et Marion Caméléon, comme je sais que c'est quelqu'un qui est à cheval sur tout ce qui est pigmentation et autres, bah du coup j'ai envie d'y croire. J'en avais gardé 3 de Jacqueline Hill et Morphée. Oh ouais. La Dark Magic. C'est vrai qu'en même temps les couleurs elles sont assez originales par rapport à d'autres palettes. Donc je vais continuer de la garder.
La Ring The Alarm. Ça, c'est toutes les couleurs que j'adore porter en palette, en fard à paupières. Tac. Et là, Bling Boss, qui est comme ça. Hop là. Ensuite, en Too Faced, on va avoir forcément les trois de la collection que j'adore. Les petites framboises. Les petites ananas. Celle-là, je m'en suis pas mal servie. Et celle-là qu'on trouvait qu'aux États-Unis et que j'ai trouvée sur Vinted. Une pastèque, pastèque, melon, pastèque, je suppose. Avec les odeurs. Trop bien. Ça, ensuite là, je vais en avoir trois. Kaleidos. Ça, les palettes, j'aimerais m'acheter une des grandes de Kaleidos. Parce qu'elles sont belles. Et puis alors les fards, ils sont juste géniaux. Donc ça, voilà. Celle-ci. Yeah. Quelle beauté. Hop. Et celle-là. Vraiment trop trop beau. Ensuite là, j'ai des Juvia's Place. J'adore cette marque, j'adore. Hop. Après, je pourrais potentiellement m'en séparer de certaines si l'harmonie me plaisait pas, mais je crois que j'avais déjà fait plus ou moins le tri dedans. Voilà. Je serais moins tentée à la limite par ces palettes-là. Je préfère celles avec les gros fards. Hop, mais bon, elles sont trop belles. Mais voilà, il faut que je reprenne l'habitude de m'en servir aussi, et puis je ferai le tri à ce moment-là. Mais là, disons que par marque, j'ai peu de palettes, donc j'ai moins envie de m'en séparer aussi, parce que ça me permet de faire un peu le tour. Et celle-là, c'est celle que j'utilise le plus, qui serait largement dans mon top 10. Que j'adore, que j'adore, que j'adore. Chaque maquillage qu'on fait avec cette palette est juste magnifique. Donc voilà. Et j'en ai encore qui se glissent. J'ai celle-ci. Alors celle-là, j'avais gardé parce que c'était très original. Mais à mon avis, je la mettrai pas. Celle-là, je vais m'en séparer. Je préfère garder les grandes que je vous ai montrées. Après, j'ai celle-ci, la Nubian 3. Qui est très très belle, ça je garde. Oui, quand même, finalement, je me sépare d'une hors color pop, j'avais pas pensé. Là, on va avoir les Sananas, j'ai les deux grandes, la petite là, et j'en ai encore une petite quelque part ailleurs. Ah bah oui, qu'elle est dans ma salle de bain. Hop, donc ça, c'est toutes les couleurs que j'aime, hein. Donc ça, je garde, et j'adore cette collection, moi, avec Sananas. Tac. Ça, je m'en séparerai pas, je vois qu'il y en a énormément à vendre sur Vinted. Moi, je trouve que c'est des bijoux, ces palettes. Donc non. Ensuite, Too Faced, celle-ci. J'en avais déjà eu une dans une box que j'avais revendue et j'avais gardé celle-là, mais en fait, non. Je vais m'en séparer de celle-là, ça fait trop longtemps que je l'ai. Et puis aujourd'hui, au moment où elle est sortie, elle était géniale, mais maintenant, il y a tellement mieux. Que voilà, le temps est passé. Ensuite, je vais avoir la Gingerbread Too Faced. Celle-là, je vais la garder parce que voilà, c'est la nostalgie et puis j'adore. La Chocolate Gold, celle-là, je l'avais eu à retardement, cette palette. Mais je l'avais beaucoup aimée. Je vais la garder encore, mais il y a moyen qu'elle saute prochainement. La Peach, celle-là, je la voulais. Elle fait partie des premières grosses palettes que je m'étais achetées. Elle sent toujours aussi bon la pêche. Celle-là, ouais, c'est plus par nostalgie que je la garde qu'autre chose, mais voilà. La Clover, que j'avais galéré aussi à me procurer, celle-là, forcément, je la garde. Elle est magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? J'avais acheté sous la pulsion aussi la Chouin à Buzz de Martine Cosmetics, mais je la trouve magnifique, cette palette. Et en plus de ça, c'est des couleurs que je peux mettre. Donc, je vais m'en servir, je veux dire, c'est pas juste comme ça pour la collectionniste. Une autre de Martine que j'avais mis tellement longtemps à chercher, à trouver, et en fait elle avait fait un restock sur son site, la 12 juin, et que je l'avais eu avec 30% de réduction en plus, donc j'étais plus que refaite. Je m'en suis pas encore servie, mais alors celle-là j'ai hyper hâte de m'en servir. Ensuite, Natasha Denona, c'est la seule que j'ai gardée de palette, c'est la Glam. Parce que moi, les fards Natasha Denona tiennent pas sur moi, mais cette harmonie de couleurs, moi je suis désolée, je peux pas. J'ai vendu toutes les autres, j'ai gardé celle-ci et je vais en fait essayer des bases pour les yeux. Moi, généralement, j'en mets pas. Tous les fards tiennent comme ça. Mais là, je vais essayer toutes les bases possibles et inimaginables. Celle-là, faut qu'elle la tienne.
Et une des dernières que je me suis achetée, c'est la Culture de Juvia's Place. Et moi pourtant je suis pas fan des grosses palettes, mais en fait je la trouve tellement belle que j'ai craqué dessus dès que je l'ai vue. Donc voilà, et ben, je vous ai tout montré pour hors Colourpop. Je vais me pousser un peu tout ça parce qu'on s'y retrouve plus. Donc je m'en sépare de deux quand même, je pensais qu'il y en aurait aucune. C'est pas énorme mais c'est toujours ça. J'avais plus de batterie dans l'appareil photo, du coup je vous reprends plus tard. Donc ça y est, là je vais attaquer tout ce qui est Colourpop. Donc là, visiblement de ce que j'ai compté, j'en ai plus d'une centaine, en rajoutant les petites que j'ai pas comptées tout à l'heure. Là, ce que j'aimerais, dans l'idéal, c'est baisser, je pense, à 50. C'est très ambitieux, mais j'aimerais vraiment parce qu'en fait j'ai vraiment envie de tester plein de nouvelles marques. Et pour moi, avoir autant de palettes d'une seule marque, enfin, il y a un moment donné, c'est bon, on sait que les fards fonctionnent, on peut essayer autre chose et toujours se faire plaisir avec, avec les quelques palettes qu'on garde. Donc là, voilà, le but, c'est ça. Donc ça va pas être une mince affaire, mais on va essayer. Je vous ai remis un peu plus droit parce que vous ne l'étiez pas trop. Alors, dans toutes celles que je préfère, en tout cas, généralement, c'est toutes les palettes comme ça, les rectangulaires où il y a 12 fards dedans. Celle-là par exemple je la trouve magnifique. Donc je sais que toutes celles-là en tout cas il y a de la chance que je les garde quasiment toutes. Donc je vais commencer comme ça. Je vais faire un premier jet en voyant combien j'en garde, combien j'en enlève. Et puis on verra après quel tri autre je dois faire. Bah, celle-là typiquement ça a beau être une 12 fards. Je me sens pas galvanisée par cette palette. Je vais la mettre de côté. Bon, si je vais les prendre comme elles viennent, mais voilà pour vous expliquer. Là, c'est la Anna. Celle-là, pour l'instant, je vais la garder. On va voir. Celle-là, Lil Ray of Sunshine. Celle-là, c'est que des mats. Je vais l'enlever parce que moi, une palette où il y a que des mats, ça m'intéresse pas. Tout comme une palette des fois où il y a que des pailletés, que des irisés. J'aime bien avoir tout dans une palette. Moi. Alors, la Coast to Coral. Celle-ci, c'est mes couleurs. Je vais la garder, je vais aussi faire le tri en fonction des couleurs que je sais que je vais mettre et celles où une petite palette suffit largement et c'est bon. Celle-ci, la Bitly, elle est super jolie, je la garde. C'est bien ces petits plastiques à chaque fois mais c'est chiant. Ensuite, la UU Honey, celle-là je vais l'enlever. Je vais l'enlever, alors après les jaunes j'en ai pas dans 10 millions de palettes, mais si là je vois j'ai la Limoncello, peut-être que j'en aurai. Celle-là je pense que je vais l'enlever, je verrai après. Je vais juste regarder la Limoncello là vu qu'on en parle, celle-là elle est super belle. Ouais, il y a deux jaunes à l'intérieur, ça me suffit, je vais sûrement avoir du jaune dans d'autres palettes. Voilà, c'est bon, donc ça je garde. Alors celle-là, la Making Mauve, elle est super jolie, c'est des mauves un peu froids. Celle-là, je vais la garder pour l'instant. Ensuite, la Control Al Glam, celle-là, je l'adore. Elle me fait rêver quand je la vois. Je sais pas vous, moi, ça me fait rêver. Donc ça, je garde. Celle-ci, la Plush Like Me. Elle est comme ça. Je vais la garder pour l'instant. C'est le format que j'aime bien. La Lizzie McGuire, celle-là, elle est mimi. Si, celle-là, j'aime bien. Ça sort de l'ordinaire, j'aime bien. La Cabana Club, celle-là, je sais que je la garde. Elle est comme ça. Ça, toutes ces, un peu, toutes ces palettes un peu dans ce genre-là, je les aime beaucoup. La So Very Lovely, je crois que je l'aime bien. C'est pas la plus folle, hein. Mais pour l'instant, je la garde. Je pense que c'est surtout dans les 9 fards, en fait, que je vais en enlever plein. Genre, toutes les palettes avec une couleur, elles sont super, hein. Mais je vais les enlever. Parce que j'aime bien trancher dans les couleurs quand je me maquille. Faire un maquillage que orange, que jaune, que vert, que bleu. Non, ça ne me tente pas des masses. Donc celle-là, la It's My Pleasure, je l'avais achetée pour l'offrir à ma maman. Je crois qu'elle s'en est jamais servie. Bon, en même temps, quand on voit la mienne, c'est pas mieux. Celle-ci, j'adore les couleurs, c'est totalement ce que je mets, mais j'aurai ça ailleurs. Donc celle-ci, je m'en sépare. Là, j'ai les petites. Les petites c'est pratique quand on part, mais je pense pas forcément me maquiller avec. Là j'en ai une dans les tons bleus. Je les avais achetées sur Vinted d'ailleurs, celle-là je crois. Je vais m'en séparer de toutes celles-là. La rose rouge. Je préfère garder des plus grandes. Là il y en a une dans les tons de vert. Ça plaira à Cynthia ça. Ça. Là dans les violets. Ah j'en ai un qui est cassé dis donc. Ah mais celle-là je crois qu'elle s'était fracassée par terre. Oula.
J'ai un petit bout de fard qui a sauté. C'est un mat, je pensais pas. Celle-là, je vais la garder parce qu'elle est pétée. Juste. Comment étaler son fard partout? Regardez ça. Faut que je nettoie. Hop là, c'est bon, c'est fait. Celle-ci, je l'aime bien. Mais voilà, avec tout ce que je vais garder, c'est pas besoin. Celle-ci, c'est totalement mes couleurs, mais pareil. J'aurai largement ce qu'il faudrait, plus grande. Puis j'en avais encore. Hop, des petits pigments qui se baladaient. Alors celle-là, la Troublemaker, j'avais galéré à la trouver. Elle est plus jolie en photo qu'en vrai, mais je la trouve super belle quand même. Il y a des duochromes et tout, celle-là je la garde. Celle-ci, ah punaise, il y avait un bout de fard dessus. Ah, garder l'éponge avec moi, je crois que ce sera plus pratique parce que je pense que ça a volé un peu partout. Du coup, la Let's Roll, elle est comme ça. Elle est super jolie, mais c'est pas des couleurs que je mettrais sur mes yeux, donc je vais m'en séparer. Ensuite, la Sunstone, celle-là, je l'aime bien. Il n'y a rien de fou dans les couleurs, mais c'est tout ce que j'aime. Ça ferait penser presque à une palette de Sananas un peu, ça me fait rire. Mais celle-là, je la garde. Ensuite, ça, Disney. Je sais qu'au niveau des couleurs, punaise, il y en a encore. J'ai foutu des pigments partout. Les Disney, au niveau des couleurs, elles ne me tentent pas des masses, mais c'est Disney. Non, je ne vais pas la garder. J'ai dit que je gardais ce qui me faisait vraiment envie pour me maquiller. Je dois faire du vide, je dois faire du vide. Je préfère me séparer de ça. La Lit, elle est comme ça. Elle est très jolie aussi. Mais j'aurai ce qu'il faut ailleurs. Donc celle-là, je m'en sépare. C'est pas le format que j'apprécie des masses. Celle-ci, la Twist of Slate. Je l'avais achetée l'année dernière, celle-là. Elle me plaît bien dans les tons de gris et tout. Celle-là, j'ai envie de la garder. Hop, celle-ci, la Hocus Pocus, c'est la première. Celle-là, ils en ont fait deux. Je crois que c'est la première, elle. Se présente comme ça. J'ai envie de la garder, celle-là. Le plastique est plus grand que le packaging. Ok. Celle-ci, une toute petite, la Pretty Much. Elle est comme ça. En fait, j'aime bien le format parce que je me dis, embarquer, ça pourrait être très pratique. Et en même temps... Même les palettes un poil plus grandes, elles restent pratiques et embarquées. Non, je vais m'en séparer. Hop, la Candy Castle. Elle est comme ça, mais voilà, ces couleurs trop claires comme ça, je sais que pour, sur moi, ce sera pas joli. Et j'ai pas, c'est pas des couleurs qui m'attirent, donc celle-là, je vais m'en séparer. La Semi-Précieuse, elle est comme ça, hein. Celle-là me plaît bien. C'est que des irisés, je vais la garder. La Star Wars, alors bon, il y en a plusieurs. Celle-ci, c'est la Mandalorian, qui est comme ça. Je vais la garder pour l'instant. J'aurais peur de regretter si je m'en séparais tout de suite. Je préfère me laisser du rab. La Oulala, ça c'est les couleurs, comme je vous dis, une seule couleur. Donc ça, je m'en sépare. Là, il y en a d'autres. La Miss Bliss. Plus rose pêche, je m'en sépare. La Inatron, celle-là, je crois que je l'aimais bien quand même. Ah non, peut-être pas en fait. J'aime bien l'idée, mais non. Celle-là, la California Love. Ouais, vous voyez dans les marrons, voilà. Celle-là, je vais la garder parce que les dorés sont bien, même si je sais qu'il y en a une autre avec des dorés qui est magnifique. Mais bon, pour l'instant je fais ça. Ensuite là j'ai la collection des trois. Celle-là c'est la grandeur. C'est vrai que cette collection elle est pas mal, elle fait un peu vintage. Là la baroque. Là dans les tons de bleu, bleu gris. Ça, ça pourrait être joli. La ornate. Dans les tons de rouge. Là j'ai envie de garder les trois quand même. C'est une jolie collection et puis qui sort vraiment de l'ordinaire de ce qu'ils ont pu faire avant. Allez, on va essayer. On va voir à l'arrivée. Là, une autre Star Wars, je l'ai achetée l'année dernière, celle-là, je crois. Elle est jolie, hein. Mais du coup, les gris, là, on a pu voir que j'en gardais quand même plusieurs. Celle-là, je vais m'en séparer. La Big Poppy. Elle est jolie, mais que des mattes. Il y a du pigment en dessous. Faut que je passe un coup d'éponge. Ouais, j'en ai déjà quelques-unes, hein, que j'ai mis de côté. Hein. Alors ensuite, je
j'en ai encore des. La blush crush. Qui est comme ça. Je vais m'en séparer. Des neutres, j'en ai plein. Après, j'ai aussi, je vais penser aux autres marques, genre la Anastasia et tout. La Going Coconut, celle-là, je vais la garder. Je l'ai pas mal utilisée. Ça, c'est le genre de palette qui est génial, tout simplement. La Nude Mood. Teinte de marron, voilà, c'est bon. J'en ai plein. La Cherry Crush. Elle est jolie, celle-là, quand même. Je la mets à gauche. Je vais attendre de tomber sur une autre dans les tons de rouge et on verra. La Mean to Be, elle est jolie mais je la mettrai pas. La Wild Child, ah j'ai un fard qui s'est enlevé, punaise c'est fragile hein. Ouais d'accord, alors lui il se défait complètement, j'ai essayé de le prendre pour le remettre, c'est même pas la peine. Bon bah du coup celle-là je vais la garder, fard pété, mais je vais jeter ça. Je suis déçue là de découvrir des fards pétés comme ça dans certaines palettes, je pensais m'en séparer de celle-là, bon bah hein, du coup je la garde. Et surtout qu'en plus c'est moi qui les déménage à chaque fois, histoire d'éviter justement ce genre de soucis. Mais après, tout ce qui est fard color pop, c'est extrêmement fragile. Et puis bah là, vous en voyez le résultat. Mais je les ai pas du tout malmenés, hein, vraiment pas. Mais bon, ah oui non, celle-là du coup elle reste là. La Wine and Only, celle-là elle est jolie. Mais du coup, typiquement, je préférais encore rester sur celle-là pour l'instant. Donc celle-là, je m'en sépare. La Cloud Spoon, je sais pas, qui est comme ça, je m'en sépare. Ensuite, la Désidosite. Elle se présente comme ça. Elle est pas mal, mais il n'y a rien de fou. Non, je ne vais pas la garder. Hop, celle-là, la On The Springs. Celle-là, je crois que je l'aime bien. Ouais, celle-là au niveau des couleurs, ça, c'est, ça m'embarque. Donc ça, je garde. Ensuite, les Super Nana. Celle-là, je trouve la palette super belle, mais c'est vrai que c'est pas des couleurs que je mettrais. Faut quand même être honnête. Allez, je vais m'en séparer. Ouais, je m'en sépare. La Elsa. Celle-ci, je l'aime quand même bien. La Reine des Neiges, les deux, je vais les garder. Je vois pas, je me vois pas m'en séparer. Hop, la Maure. Qui est comme ça. Je les avais beaucoup aimées. J'ai la Sol aussi qui doit être quelque part, à moins que je m'en sois déjà séparée. Elles sont super belles, mais non. Allez, j'ai largement ce qu'il faut. Là, celle-ci, c'est une collaboration chez la Colourpop. On la trouve pas... On la trouve plus. Donc celle-là, je vais quand même la garder. Hop là. Celle-ci, là, je trouvais l'échec. Ah bah, c'est peut-être là que je vais pouvoir un peu comparer avec l'autre. Ah non, il n'y a pas photo. Celle-là, elle reste bien. Hein. Bon, allez. Ok, celle-là, je la garde. Celle-là, on ne la garde pas. Ensuite, là, dans les grandes, la Harry Potter. Je l'ai achetée l'année dernière. Je la trouvais super jolie. Les grandes, j'y vais moins. Il faut quand même dire ce qui est. Mais je la trouve magnifique. Je vais la garder, je me sens pas de la m'en séparer maintenant. La So Jaded. Elle est jolie. Et c'est vrai là qu'en fait, quand on se dit avec tous les fards que ça représente, enfin, il y a un moment, c'est bon, Colourpop, on a fait le tour, quoi. Je vais m'en séparer de celle-là. Je préfère aller vers des plus petites, je sais. Autant la Harry Potter, c'est Harry Potter. Je vais avoir du mal, autant celle-là, il n'y a pas de... De marques autres, enfin de collaboration, je vais y arriver. Ah, ça y est, retour des pigments. Donc celle-ci, la Bare Necessity, je crois que c'est la neutre par excellence, effectivement. Mais voilà, on a vu que j'avais tout ce qu'il fallait, donc allez, celle-là je m'en sépare. Ce sera plus facile à ranger aussi. C'est aussi à ça que je pense. La Z-Stop, celle-là je crois que j'aime bien. Ouais, corps du gris, hein, mais là pour le coup c'est plein de déclinaisons de gris. J'avais oublié que je l'avais celle-là. Celle-là je la garde. Après de toute façon, là pour l'instant je redécouvre, hein, comme je vous ai expliqué, le maquillage. Donc il y a des choses que je garde, mais si ça se trouve, je pense que je referai un autre... je referai un tri de toute façon, je pense, à chaque période de Vlogmas. Ce sera l'occasion du tri annuel
Et d'ici là, bah, je me serai vachement plus réapproprié tout ce que j'ai. Donc si ça se trouve, là, il y aura pas mal de changements. La Truly Madly Deeply, celle-là, elle est super belle. Celle-là, je la garde. Ce n'est point possible autrement. La Fame, celle-là, je crois qu'elle me plaisait pas beaucoup. Ouais, voilà, rien de fou, c'est bon. La Through My Eyes, My Eyes. Ouais, elle est belle celle-là. Je pensais pas, avant de l'ouvrir, je me disais ouais, non. Bah ouais, si en fait. La Perception, celle-là aussi, c'est une collaboration avec Sheila qu'on trouve plus. Je l'avais eu dans une box, je crois, ou je sais plus. Voilà, bah, du coup, je la garde. Elle est pas extraordinaire comme ça quand on la regarde, mais voilà. Ah, voilà, celle-là. À chaque fois que je vous la montre en vidéo, je sais jamais retrouver le nom. Tac. Qui est comme ça. Elle est jolie. Est-ce qu'honnêtement, je la mettrais? Non. Mais elle est vraiment jolie. Celle-là, juste pour le packaging, je pourrais la garder. Mais non, c'est stupide. Ensuite, la Blue Moon. Qui est comme ça. Couleur unie, c'est bon, on a dit stop. La Lilac You A Lot. Hop, ton violet, celle-là non. Parce qu'en plus, comme je vous ai montré, j'ai tous les fards mono aussi, Colourpop, que j'ai mis moi dans mes palettes. Ah bah la seule, elle est là. Hop, les couleurs, elles sont super belles. Hein. Mais non. Bon, alors ça, je crois par contre, sur Vinted, je vais pas le faire tout de suite. Hein, parce que là, ça va représenter pas mal de boulot. J'ai déjà vendu tout le reste. Ça par contre, c'est chouette, mis à part 2-3 bricoles. Donc ça, je pense que les palettes, je les ferai un peu au fur et à mesure. La On Cloud Blue. Comme ça. Ouais, celle-là, toute, c'est une seule couleur comme ça, hein, c'est bon. Ça, est-ce que c'est celle avec... Ouais, ça, c'est que des paillettes. Ça, je suis obligée de garder, c'est beaucoup trop beau. Ça, si c'est un assemblage, c'est 15 fois trop beau. Ça, je ne peux pas me séparer. Ça aussi, c'est encore que des paillettes. 1000 fois trop beau, c'est mort. Ah. Il y a encore des pigments, voyons. Je vais jamais avoir le bout de ces pigments. La High School Musical. Celle-là, elle est pas... elle est pas folle, hein, quand on la voit. Autant je suis plus attachée à... Harry Potter, autant High School Musical, moins. Elle est super jolie. Ouais, j'avais craqué dessus l'année dernière. Et en fait, finalement... finalement, non. Allez. Celle-ci, la Hocus Pocus, celle-là, je crois que c'est... Ouais, bah c'est la 2. Ouais, Hocus Pocus 2. Celles-ci, elles sont chouettes, hein, quand même. Non, ça, je garde. Elles sont trop chouettes. Ensuite, la Barbie. Je me souviens plus quelle tête elle a. Ah oui. Moi, j'y garde. Franchement, je me sépare de pas mal, hein, donc... Bon, après, est-ce qu'il va m'en rester 50 ou est-ce que je vais être au-dessus? Ça va être la grande question. La Golden State of Mind. Celle-là, il y a beaucoup mieux qu'existe aujourd'hui. Elle est sortie il y a un moment. C'est que des irisés, mais je la trouve méga belle. Je fais dans ce que je garde. Et si j'en ai plus de 50, bah, peut-être qu'elle fera partie de celle qui saute. Celle-là, celle des vilains. Je la trouve super jolie. Mais je la mettrai pas. Allez, on s'en va. Celle-ci, une autre des princesses Disney. Pareil, qu'il n'y a rien de fou dans les couleurs. Allez, on s'en sépare. C'est du Disney, hein, fait chier. Hein. Mais Hocus Pocus. Ah bah non, alors, c'était pas Hocus Pocus la première que je vous ai montrée. Tac. Ça, c'est beau, ça. Ça, je garde. Ça, je garde. La Blowing Smoke. J'en ai, ouais, ça, c'est dans les tons de gris-noir, mais non, je mets pas, de toute façon, ces couleurs-là. Non. La Main Squeeze, qui est comme ça, non. J'en ai gardé une autre qui est bien mieux. Celle-ci, j'aime bien. La Melrose Place, c'est ça? Oui, c'est ça, je sais plus. Tac. Rien de fou, mais je sais pas, elle m'inspire, cette palette. J'aime bien ce qu'elle dégage. La Wild Nothing, celle-là, je l'aime beaucoup. Toute douce. Qui a fait cocooning. Je sais pas, ça me parle. Hop, là, c'est la Sailor Moon. Oups, là, reste ici, toi. Qui est comme ça. Elle est jolie, hein. Mais non, c'est pas des couleurs que je mettrais. Allez, on arrive gentiment au bout. Celle-là, la Chi. Celle-là, j'avais pris d'occasion sur Vinted, mais non. La Element of Surprise. Celle-là, elles font partie vraiment des plus anciennes.
Mais j'ai pas envie d'y aller. En fait, j'y allais vraiment au moment où j'avais la collectionnite aiguë, mais voilà. La forêt, celle-là, qu'est-ce que j'ai galéré à la trouver. Celle-là, c'est mort, je la garde. Elle est tellement belle. La salvarée, celle-là, j'aime beaucoup le packaging. Celle-là, j'aime trop le packaging. Et puis les couleurs, franchement, elles sont pas mal. Enfin, j'aime tout l'univers, donc celle-là, non. La Olzat, j'aime bien, hein. Mais là, il va falloir que... Non. Il va falloir que je taille un peu dans le gras, là. My Little Pony. J'aurais eu envie de la garder pour My Little Pony, mais il faut dire ce qu'il y a, les couleurs... C'est fadasse. La Whatever. Je pense qu'il y a largement ça dans les autres. C'est celle-là, la dorée, la Good As Gold. Celle-là, elle est magnifique. Il y a plein de dorés de plein de manières différentes, en fait. Donc ça, je garde. Pour moi, c'est la référence en fard doré. Celle-ci, c'est la double entendre. Je me souviens même plus. Neutre à souhait. Hop. La Flutterby. J'aime bien, hein. Non. Et B, j'en fais du ménage. Ménage à moi. Désolée. Hein. J'ai l'impression que je vous ai montré 50 fois la même. Hein. Comme quoi, vous voyez, il était vraiment temps que je fasse un tri. Hein, parce que la collectionnite, ça va bien 2 minutes. Mais si c'est pour avoir 50 fois les mêmes, ça sert à rien. Celle-là, je vais la mettre là. Si j'en ai moins de 50, je la garde. La Dream. Ah, elle est belle, celle-là. La Birdie, bye bye Birdie. Elle est jolie. Elle est jolie et puis les pailletés ils sont beaux dans celle-là. Mais non. Mulan. Celle-là je crois que j'adore Mulan. Mais j'ai largement ailleurs. La All I See Magic. Celle-là, ouais, si celle-là je l'aime bien. Celle-là, j'aurais peur de la regretter si... Pourtant neutre, hein, à souhait, mais... Je sais pas, il y en a, on a une accroche différente. La Garden Variety, celle-là, j'aime bien. Le petit vert, là, il est super cool, en plus. Et je suis pas sûre de l'avoir ailleurs, en plus. La Cute Life. Ça, on se sépare. Oh, punaise, le ménage que je fais dans les couleurs pop. Oh la vache. La You Had Me At Hello. Celle-là, je l'avais achetée d'occasion avec le miroir cassé. Bon, là, je m'en sépare. Je la mettrai moins cher et puis voilà. Mais au moins, c'est pas un fard qui est cassé. Celle-ci, je sais pas comment elle s'appelle. I Think I Love You. Ça, on regarde pas. Celle-ci, la Sweet Talk. Celle-là, j'aime bien. Oh non. Attendez, on va essayer de le faire bien. De toute façon, je la garde. C'est bon, j'ai sauvé les meubles. Elle est comme ça. C'est vraiment fragile. Et la petite dernière, c'est la Boudoir Noire, bah, qui ressemble à la Ménage à moi. C'était la même collection. Qui est comme ça, mais non, celle-là, non. Donc, si je compte combien il m'en reste pas, je pense que je suis largement en dessous des 50. Attendez, on va voir, parce qu'en fait, quand on les voit, on se rend pas compte, et puis quand on les compte, c'est autre chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Il y en a 50 piles. Celle-là, ça ferait la 51e. Mais franchement, 51, on va pas être à cheval sur les nombres. Hein, voilà. Surtout que quand on... Donc celle-là, hein, on la garde. Et il m'énerve celui-là, il peut pas se mettre correctement. Hop là. Mais je vais vous montrer d'une autre vue. Bon alors voilà le bordel, ça c'est tout ce que je garde du coup des autres marques que je vous ai montré, ça c'est la petite panière avec ce que je vends, ça du coup c'est les Colourpop que je garde, celle-ci, et avec celle-là, et là tout ça, c'est tout ce dont je me sépare.
Donc franchement, on est pas mal niveau tri, hein. Je pense que j'ai quasiment divisé par deux. Enfin, j'ai divisé par deux parce que j'en avais plus de 100 et du coup, j'en garde 51. Donc, ouais, sacré truie, hein. Du coup, comme je vous dis, je mettrai pas ça sur Vinted en une fois, je vais le faire en plusieurs fois parce qu'en plus, j'ai pas envie que les annonces sautent tout le temps. Donc, je préfère les mettre petit bout par petit bout. Je les mettrai peut-être genre, je sais pas, 10 par 10. Et puis comme ça, ce sera un petit peu sur tout le mois de décembre. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je fais pas de réduction. Enfin, je veux dire, si vous essayez de négocier le prix, vous n'y arriverez pas. Par contre, je fais des réductions sur les lots. Donc si jamais vous en prenez plusieurs, vous pouvez avoir des réductions dessus. Déjà que je mets pas des prix très hauts de base parce que moi, mon intérêt, c'est que ça parte. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Vinted. Vous avez tout dans la barre d'infos. Et maintenant, bah moi, il faut que je range tout ça. À midi, on part sur un petit burger maison. Ça fait des mois que j'en ai pas mangé. Et puis là, on a les petites frites qui sont en train de chauffer. Je me suis fait piquer mon gilet en pilou-pilou. Qui est pas très très gentil, ça. Hein. Qui est pas très très gentil, ça. Hein. Un petit chat. Ah là là, ces petits chats. Mais le gros doudou est pas fidèle à lui-même. Avec ses petits yeux ouverts là, qui m'observent. Mais qui a pas envie de bouger. Hein? Oh, oh oui, je t'ai dérangé. Oh oui, excuse-moi. Aïe aïe aïe. Oh, c'est dur la vie de chat. Je veux être un chat. Dormir, croquette, lit douillet. Ma vie parfaite, rêvée. Et bah du coup, voilà tout ce dont je me sépare. Là, j'ai un peu rangé pour pouvoir y stocker. Mais il y en a encore en dessous. Tout est rangé, tout est bien mis. Et puis, bah on va essayer de les vendre petit à petit. Mais donc voilà, ça c'est chouette. Et du coup, là maintenant, ce que je vais faire, c'est m'occuper d'emballer tous ceux qui ont acheté des choses là. J'ai tout imprimé là, je vais tout mettre sous enveloppe. Et voilà. On se retrouve encore plus tard, il est 17h43, je viens de monter le vlog qui doit sortir ce soir, là il est en train de se mettre sur YouTube et franchement il va sortir mais juste. Donc j'ai vraiment eu la chance, en fait quand je filme depuis mon téléphone j'ai du mal à mettre les fichiers sur l'ordinateur après. Le câble en fait, même quand je prends un nouveau câble ça coupe, donc du coup ça m'annule à chaque fois tous les chargements. Du coup je suis obligée de passer par WeTransfer, mais vu la connexion internet que j'ai, et ben, c'est méga long. Enfin c'est un peu compliqué, mais heureusement les vidéos chargent vite sur YouTube et ça c'est chouette, donc comme quoi ma connexion internet n'est pas si pourrie que ça, ça dépend ce que je fais en fait. Donc au moins ça c'est bon, donc elle devrait pouvoir sortir à l'heure et là ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre une bonne douche parce que j'en ai bien besoin, me laver les cheveux tout ça et ça va me réchauffer parce que je commence à avoir froid. Ça y est, j'ai pris ma douche, ça fait du bien et je crois que je vais arrêter le vlog maintenant parce qu'il va falloir que je travaille un petit peu ce soir et je peux rien vous montrer. Comme ça, je vais aussi prendre de l'avance sur le montage de celui-là. Ce sera mieux parce que demain, je sais pas trop comment ma journée va se goupiller encore, mais donc je préfère prendre de l'avance quand je sais que je peux en prendre, c'est plus sûr. Bref, sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.